Yes, yeah, c'est Claude, bienvenue sur ma chaîne. Tu es bouffonne. Give me love, I can't deny. Your love is sweet, I cannot lie. No greater love than your love. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Girl Talk avec Glo, Lorana, Binta. Donc là, on va répondre à quelques questions. Je sais pas si vous êtes prêtes, les filles, mais en tout cas, moi, je suis prête. Moi, je suis prête. C'est parti. Est-ce que vous pourriez être attirée par des gars qui vous insultent? Non, oui. Question vraiment. Une question terrible. Déjà, à quel moment tu vas vers un gars qui t'insulte de ouf, genre? Genre en mode, t'es là, t'es tranquille, ta gueule. Ça va? Moi, déjà, tu parles pas mal. Tu fais, t'as fait quoi aujourd'hui? Ta gueule. Non, jamais. C'est possible. Pas chez moi. Désolée. C'est pas ça, ça quoi. Va pas fonctionner entre nous, là. Tu préfères avoir la réputation d'une meuf qui pue, la transpiration ou une meuf qui sent le caca? Ah, c'est une chute. Oh my god. Oh, là, c'est grave dur. Ça, moi, je préfère quand même puer la transpiration. Ouais, mais moi, le caca, c'est chaud. Moi, j'en ai marre dans toutes mes vidéos. On dirait que je parle de caca, wesh. Dans l'autre vidéo, wesh. Au pire, honte, il y avait caca. Là, il y a caca, wesh. Non, caca, c'est chaud. Ouais, j'aurais dû transpiration aussi. Genre, tu sens le caca, genre, tu sens le. Non. Genre, on te sent, ça sent. Genre, t'es là, tu vas. Tu as une vidéo dans ton sac s'il faut, mais transpiration. Non, mais transpiration aussi, c'est chaud. Tu pourrais sortir avec un gars qui pue des pieds? Non. On passe. Déjà, les pieds, je déteste. Oh mon dieu. Seigneur. Non, je peux pas. Qui pue des pieds? Ah. Genre, Harry, tu marches dans ta maison, ça a pu. J'ai des pieds, genre. En vrai, ça doit être chiquang. Ouais, j'avoue, non, non. À longueur de temps, non. Ah non. Genre, tu dors même bizarre, pas avec moi. Bizarre, hein, je sais pas. Tu dors pas avec moi. Tu dors pas avec moi, c'est bon. C'est bizarre, hein. Wesh, il pue des pieds. Genre, ils se lavent pas les pieds, genre. Ah. Je sais pas, wesh. Non. Il y a le citron maintenant, il faut changer un peu. La vie. Oh. Il y a tout. Et toi? Non, c'est mort. Mais quoi que, il peut y remédier en fait. Tu vois, c'est pareil que la transpiration. Tu vois, ça se modifie. C'est ouais. Chaud. Mais je sais pas, puer quand même, c'est chaud des pieds. Ouais, mais change de chaussettes, ma gueule. Ouais, change de chaussures quand même. Tu pourrais sortir avec un gars jaloux? Jaloux? Jaloux comment? Il y a jaloux et jaloux. C'est ça. Ah, jaloux extrême. Non, c'est d'ailleurs, c'est d'ailleurs. Je sais pas. Hein. Non, mais. Pas jaloux dans l'extrême, tu vois, juste raisonnable, c'est tout. Bah jaloux, ouais. Mais jaloux extrême, je sais pas. Voilà, non, c'est flemme, je sais pas en vrai. Parce que genre, t'es là, t'es chez toi, il dit, ouais, t'es où? Je lui dis, t'es chez toi. Moi, je te crois pas, envoie-moi ça. Tu veux que je te passe ma mère? Non, mais ça, c'est pas de la jalousie, c'est de la peur, ouais, jaloux, c'est. Non, mais. Non, il est tellement jaloux. Jaloux d'être chez toi. Non, mais. Non, le gars, il est tellement jaloux qu'il croit. Que tu ouais, en gros, il est parano. Ouais, voilà, ça, c'est genre, tu leur vois, mais ça, tu lui dis. Non, bah non. Bah, je suis chez moi, il dit montre-moi chez toi. Oh genre, je t'appelle en FaceTime tout de suite, tu vas montrer. Non, tu je te passe ma mère. Non, les gens sont audacieux. Archi pas. Trop d'audace. Pour 5 milliards, tu pourrais tromper ton mari. Mon mari, on va discuter. Hein. C'est de l'argent. Ils ont pas dit 1 million. 5 milliards. Voilà, il y a notre avenir, celui de nos enfants, si chacun est. Mais tes enfants, ouais, je veux décennies, deux millions. On a vie, ouais, on se met d'accord. Une fois, c'est rien. Je te dis, on sera obligé d'accepter, il n'y a rien. Non, 5 milliards, c'est chaud en vrai, en ça. Ouais. La vie de 5 milliards, c'est chaud. C'est une belle somme. Et tu trompes comment aussi, wesh? Ah, si, c'est un bisou, c'est un truc. Ils n'ont pas précisé. Écoute, bon. Non, on n'est pas pour. Qui est pour ici? Hein? Qui est pour? Il est pas dans ça. Donc, après, ensuite, c'est qui est pour? Je sais pas. On n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça, là. Ok. Imaginez le meilleur pote de votre gars qui est archi beau, il vient vous gérer en cachette, vous faites quoi? Il est beau? Oui. Normalement, ton gars, c'est censé être le plus beau de la terre. Ouais. Je dis ça, j'ai rien. Non, je dis. Moi, je lui dis de ouf, wesh. Ouais, moi, je lui dis. Non, moi, je vais balance. Moi, je suis foutue, wesh. Je vais archi lui dire. Même s'il est beau, hein. Ouais. Sois libre. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous marier à 18 ans? Là, là, non.
Non, moi aussi. Non. Mais si, à la situation en vrai. Ouais, voilà. Tu vois, si t'es déjà riche, tu vois les 5 millions, les 5 milliards là. Si, y avait déjà les 5 milliards. Ouais, je suis mariée. Tranquille. Non, mais c'est chaud, wesh, je suis mariée là, là, wesh. Et là, t'es encore à l'école. Ouais, mais si, elle est 5 milliards, t'es plus à l'école, wesh. Ça, c'est vrai, ça. Non, mais flemme. En tout cas, là, non. Non, là, j'ai pas de situation, donc flemme. Moi, non. Avoir un enfant tôt. Vous pouvez. Genre là maintenant là Non. Même pas en rêve. Même pas quitter de chez vous. Hein? Quitter la maison. On va me dire non, wesh. Moi, quitter la maison, je peux. Hein. Vous pouvez changer de religion pour un homme? Jamais. C'est impossible. Trop non. Impossible. C'est vraiment impossible. Imaginez, avant, vous flirtez avec un garçon. Et votre amie, elle flirte avec lui. Mais vous parlez plus à ce garçon. Est-ce que vous autorisez votre amie à flirter avec lui? Non, on passe. Bon. Non. Sachant que, genre, il a flirté avec moi, après il va flirter avec ma pote. C'était un flirt en mode. Vas-y, elle. Ouais, voilà. Genre, vous parlez en mode vite fait. Ah, bah ouais, vas-y, ça, je m'en fous. Je pense pas que ça me vexerait. Si le flirt n'était pas prolongé de ouf, ouais. Moi, bien. Si c'était vite fait, vas-y. Voilà, vite fait. Moi, je m'en fous. Ouais, en vrai, si c'est vite fait en mode. Wesh, ça va. Tu veux ça, c'est même pas du flirt, ça, c'est quoi? C'est quelle discussion, ça? C'est bien ou quoi? Vous êtes avec un homme et au cours de votre relation, il vous dit qu'il était gay avant, vous faites quoi? Bah après, au cours de la relation, il était avant. Non, je veux savoir avant la réaction. Non, mais attends, genre, carré là, on est ensemble, je le sais même pas, genre. Ouais, mais c'était avant, genre, c'était sa vie passée, carré. Mais toi, tu vas te dire oui, enfin, genre. Bah, on est déjà ensemble. Donc ça fait rien. Si on est ensemble, etc., je vais pas casser pour ça, mais t'aurais dû me le dire avant quand même. Ouais, t'aurais dû me le dire comme ça, wesh. Ouais, moi je m'en fous, surtout si ça se passe grave bien et tout. Je vais pas casser parce qu'il était gay avant. Non, mais qu'il aurait quand même dû le dire. Aussi, Dieu il a pardonné, moi je suis personne pour pas pardonner en vrai. Il y a pas qu'il soit pardon, mais juste, fallait juste le dire quoi. Après, s'il a peur, ok. Ouais, je suis sûre, il est trop comme ça. Il a grave peur. Bah ouais. Donc il va pas dire. Ouais, c'est vrai. Si t'apprends ça, c'est que. C'est grave. Moi non, je casse pas, mais vas-y. Ouais. Dans Anna, tu casses pas? Non. T'as bien reposé la question. Parce que tu étais très contrainte, hein. Mais non, je veux dire, voilà. Non, moi je casse pas. Non, non, Binta. Binta. Non, mais non. Après, c'est un choix, hein. Ouais. Vous êtes pas forcé. Moi, je pourrais faire ça. Tu pourrais quoi? Tu pourrais quoi? Me pardonner? Ah ouais. Je sais pas ta courbe, comment c'était pas ça? Ouais, c'est pas ça, c'est vrai. Chiant. Imagine ta belle-mère te gifle devant ton homme et ton homme il réagit pas. Vous restez avec lui. Qui parle en premier, pardon? Moi? Bah, je vais pas parler en premier. Bah, je prends bien. Faudrait que j'aie fait un truc de ouf quand même pour que ma belle-mère me gifle, quoi, tu vois. Bah, ma mère, elle me gifle. Mais je vois, ça. Arrête, non. Après, je sais pas, genre. Chacun son tour va débattre sur le sujet. En plus, obligé, ton mari, t'es obligé à prendre la défense de sa mère. Sa mère, sûr. Wesh. Parce que c'est la femme de. Si ma mère, elle est la femme de Jason, Jason, il va faire quoi? Jason, c'est son frère. Ouais. C'est lui. Oh. Non mais du coup. En fait c'est s'il réagit pas comment nous on réagit. Je peux pas. Est-ce que vous allez taper la mère? Jamais. Mais là c'est des sorcières par contre. Des bonnes mères, elles sont trop méchantes. De ouf. Moi ouais, tu... non je pourrais jamais faire. Moi j'appelle ma mère, ouais. C'est trop un manque de respect. Moi j'appelle ma mère. Coup de radé. C'est ça qu'on est ratatata. Même le mariage va se finir là carrément. On va doubler là. On va faire trop de conflits. On va porter plainte. C'est chaud. Non en vrai c'est chaud. Moi j'aurais dû vivre comme ça. J'aurais dit pour moi. Genre, tu peux rien faire. Genre, t'es parce là. Que, en vrai, moi, je suis pas impolie envers les gens. Imaginez, vous l'avez insulté. Non, c'est impossible. Non, genre, t'es dans mon cœur, mais pas. T'es jamais à voix haute. Mais jamais à voix haute. Si je le fais à voix haute, c'est que vraiment. Non. Non, moi, je pourrais archi pas, genre. Toi, tu fais quoi? Non, mais. Non, mais moi, je vais en prison. Elle est en train de se faire la guerre avec mon mari. Et ton mari? Tu lui dis quoi? Mais je lui dis, je suis désolée, mais genre. Tu vas dormir au salon. Ouais, hein. Ouais. Moi, il dort pas chez moi, hein. À la vie, tu rentres même pas dans la maison. Tu ne rentres pas. Hé, une semaine? Quoi? Moi, toi que sa mère, elle s'est pas excusée, il rentre pas. Mais de vrai.
Mais pourquoi elle m'aurait giflé? Si elle m'a giflé parce qu'elle m'aime pas. Ouais. Non, là c'est autre chose. Là non, là c'est parce que elle t'aime pas. Ouais. Mais déjà, moi je rentre pas dans les histoires où dire belle mère elle t'aime pas parce que sinon ça va être trop compliqué. Grave. Les trucs comme ça, c'est les trucs comme ça dès le début, vous voyez ça là, courez. Courez parce que les trucs comme ça là. Après, vous allez voir après. Vous allez pleurer ici, là. Non, mais c'est grave. Faut pas commenter en dessous de mes vidéos, tu nous l'avais dit. Je vais dire, j'étais pas là. Votre père vous dit qu'il veut devenir une fille. Votre réaction. Oh my god. Mon père sera trop bizarre. Jaja. Non, moi, j'imagine pas, en fait. Non, mais grave, mais même pas, genre. Ah, mais mon père. Mon père, ça devient moi, là. Les filles aiment les garçons qui racontent leur vie. Les filles aiment. Est-ce que les filles elles aiment les garçons qui racontent leur vie? Ah mais non, sinon c'est... ouais c'est grave lourd. Ouais c'est lourd wesh, ouais, c'est archi lourd wesh ouais. Parce qu'un gars qui est là qui s'en fout de toi en mode genre Harry pose juste des questions sur toi mais tu connais rien de ça, c'est grave bizarre. Grand délinquant, grand dealer hein. Pire, grand trompeur. Votre amie elle sort dehors avec votre mec, ça vous dérange ou pas? Je ressens. Ça dépend sur quoi. Pourquoi? Si c'est un cadeau d'anniversaire. C'est une surprise. C'est calme, c'est calme. Allez, okay, ouais. Comme ça. Mais si c'est comme ça. Mais comme ça, pourquoi? Non. Pour venir me chercher là. Et encore, c'est nous deux, on vient te chercher, wesh. Bizarre. De ouf. Ça, c'est louche, des amis comme alors, ça. Alors, c'est son pote en vrai. Ouais, parce qu'il y a des trucs en mode. Ah, son pote avant. Un garçon qui vous trompe, est-ce que ça veut dire qu'il vous aime pas? Oui. Oui. Tu peux pas accepter de présenter. Je peux pas accepter. Les gars qui disent ouais, nous on vous aime quand vous trompez, arrêtez. Moins doucement. Mais qui a dit ça en plus? Il y a grave des gars qui non. disent ouais, si je trompe une meuf, bah. Que je l'aime? Oui. Non, en gros, je l'aime. C'est une erreur en mode. Ah ok. Mais une erreur une fois, deux fois. Ouais, c'est non, plus une erreur. Après, c'est une erreur. C'est... Même une fois déjà non. Non. C'est une répétition là. Ça, ouais. C'est un cours de théâtre. Non, flemme. Mm-hmm. Une fille qui a du mal à se confier, est-ce que c'est une fille qui est blessée? Pas forcément, parce que moi j'ai du mal à me confier, mais je suis pas blessée. Moi. Perso. Après, bon, je sais pas, mais moi non. Juste j'aime pas parler, c'est tout. Hein. Voilà, mais ouais, j'aime. Et aussi j'aime pas. J'aime pas. Mais il y en a qui peuvent être blessés, qui ont du mal parce qu'il s'est passé des choses, ils ont du mal ouais, à se confier. Clairement, il y a le vécu derrière. Exactement. Te mettre en couple avec un homme où tu te vois pas avec dans l'avenir, tu peux. Non, non, oui, je non ça. Ouais. Mais pourquoi je on fait ça de temps, oh, mais jamais. Je sais que vous aimez trop goûter, mais doucement. Non. Vous allez goûter après. J'imagine tellement le nom de famille de la personne. Mais comment tu veux, je peux pas être prolongée avec. C'est pas possible. J'avoue, c'est chaud. Mais non. Est-ce que c'est vrai que les meufs préfèrent des garçons avec une barbe? En ce moment, on tousse beaucoup, hein. Coronavirus. Ça, t'es fait. Non, C'est pas un critère comme disons, t'as capté. Mais c'est mais toujours. Si t'as, c'est bien. Si t'as, c'est, si t'as, ouais, t'as pas, c'est pas grave. C'est, mais si voilà, pas, c'est la vie, il y a l'huile de ricin. Non, en vrai, si t'as pas, c'est. Ouais, si t'as pas, c'est pas grave, mais si t'as, c'est bien. Genre. Alors, voilà. Non, si t'as, c'est comme c'est les toujours lèvres. Un plus. Si t'as des lèvres, c'est bien. Si t'as pas, c'est. Un mec qui fume et qui boit de l'alcool. No way. Avec lui. Non, ça on l'avait déjà répondu, je crois, au premier gars. Franchement, mais entre c'est... fumer et boire, je préfère qu'il boive. La cigarette, je peux pas. Moi, la cigarette, je peux pas. J'aime moi, pas quand les deux, désolé. J'aime pas. Wesh, il est ivre, il est là. Imagine, moi, fume, hein. Imagine non, il est, un jour, il est ivre, il est tout nu dans la maison. Non, mais pas à ce point-là, dans l'extrême. Mais en tout cas, je peux pas. Il doit mettre dans mon lit. Étant marié, est-ce que quand le jour de votre mariage, vous allez prendre le nom de famille de votre mari? Ah ouais? C'est le nom de famille des grave longs. Je prends pas. Moi j'aime bien les miens. J'aime bien. Non, non, pas envie. Non. Mais sinon, moi ça. Bah, moi j'aime ce truc soit mon nom, tu vois. Ok. Ciao. Moi non, moi je garde mon nom, mais. Toi tu vois un Kardashian West? Ouais, voilà, je fais ça. Soit, moi je Non, je fais ça. Moi je fais ça. Moi dans la logique, ouais. Ils ont des longs noms composés là. Ouais, mais si c'est elle, je sais pas quoi. Genre c'est un truc grave simple. Moi j'aime mon nom, il est long. Mais si c'est long, il y a même des tirés. C'est pour me parler. Mais. Ça y est, ouais. Le truc, même dans la fiche de bac, il y a même pas tout. Ouais, ouais. C'est long. Il y a trois petits bois après la monsieur, trois petits bois. La flemme. La taille exacte d'un homme pour nous. Hein? La taille exacte, la taille parfaite. Le plus grand que moi. Voilà. Chips, c'est pas compliqué. Je suis pas mal. Nous on est grands, non, donc. Bah, moi je suis petite. Et toi, Lita? Ouais, parce que allez, toi t'es hyper grand. Mais toi aussi t'es grand, tu viens mettre combien? Non, mais je suis 85.
Ah ouais. Mais là, je vous la voyais pas ou quoi? J'ai pas dit que t'étais grande comme mais ça. Mais ça se voit. Non, ouais, t'es 35. Pas. J'aurais pas dit 1m83. T'en as dit combien? Moi, je suis 1m73, moi, je suis pas là. Et toi, tu en es combien? 74. Je suis 1m73. En tout cas, plus grand. Rien, on a 20 cm d'écart. 80 flemmes, wesh. Y'en a, ils aiment trop dire qu'il faut 1m80 alors qu'il faut 1m70. Ah bon, menteur. Après, tu les vois et tu vois, ils font la même taille que toi. Grave, après, tu pleures. C'est pas grave, wesh. Ouais, en vrai, c'est pas grave. Hein. Moi, quand tu peux porter des talons à ton mariage, on va voir si c'est pas grave. Ouais, la vie, moi, c'est la taille, ça me dérange pas. Hein. Mais après, fais pas 1m60 aussi, mais. Ça va, c'est plus grand que moi, riche. Ouais, voilà, juste plus grand que moi. Au bout de 2 semaines de flirt, vous pouvez vous confier? Non. Non. Non, ça, c'est. Mais... 2 semaines, t'apprends quoi, là? Son nom de famille? En stage, enfin, voilà. Sortir avec un homme flemmard. Pourquoi faire? J'aurais fait rien. Ouais, vous voulez le capter, il a la flemme. Ah bah non, ouais, je suis pas flemme alors. Ouais, pas flemme? On va casser parce que moi j'ai la flemme d'être. Ouais, exactement. Grave, la flemme. Ça va pas durer longtemps, mais moi je suis flemme. T'es là, tu parles, ça fait 10 ans que tu parles. Genre, c'est-à-dire que t'es même pas investi et tout. Mais on se voit flemme, mais c'est pas rien. Votre. Je vous flirte avec un mec avec qui votre pote elle a déjà fait des bails. Et vous la prenez, genre, au moment où vous voulez vous poser. T'es là, imagine t'invites ta pote à ton anniversaire, il y a ton mec, wesh, flemme, wesh. Ouais, non. Là, vous vous posez pas, là. Non, moi, je me pose pas, clairement. Je me dis, je suis jeune, il y a d'autres mecs. Je sais pas, il y a quoi derrière, en vrai. Ouais. Genre, même si c'est que des bails. C'est vrai, pas faux. Ouais, je sais pas, wesh, ils sont déjà liés, flemme, ça y est. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, d'aimer. T'as déjà dit liker, ah oui. Commenter, envoyer ça à tout le monde. Tu me regardes. Partager moi, donc. Voilà. Et puis tchuss, wesh. Allez. En tout cas, voilà, on se retrouve très bientôt. Si vous voulez encore partie les. Une partie 2, une partie 3. Une partie 5, une partie 10. Une partie 58. 30. On est là. Bah ouais. Bon, faut s'organiser. Hein. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup et on se retrouve très prochainement. Voilà.